Bonsoir à tous. Je vais commencer par une phrase de Colette qui m'aura accompagnée toute ma vie. Cette phrase, c'est « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». Je pense que c'est pour cette raison qu'il y a un film qui m'a fortement secouée quand je l'ai vu, contre toute attente. Il s'agit du film « Les malheurs de Sophie » de Christophe Honoré. Et il m'a inspirée un livre entier que j'ai intitulé « Sophie, ou la vie élastique ». Et mon livre vient bien plus donc de l'œuvre de Christophe Honoré que de celle de la comtesse de Ségur, même si je connais celle-ci pas mal du tout. Alors, le film de Christophe Honoré, il s'inspire des malheurs de Sophie, mais aussi des petites filles modèles. C'est un film qui est construit en deux parties, et je vous le précise parce que mon livre aussi suit cette partition. Il y a avant et après la mort de la mère, mais dans les deux cas, que ce soit avec sa mère ou sans, Sophie incarne pour moi la force de vie envers et malgré tout, puisque, et c'est la grande modification qu'a faite Christophe Honoré par rapport au roman de la comtesse de Ségur, dans son film, la mère est une mère dépressive, dépressive à l'idée de quitter le château, le parc, pour l'Amérique. D'ailleurs, elle a bien raison d'être si angoissée, puisqu'elle va périr, noyée, c'est très important dans mon livre, être noyée lors d'un naufrage. Sophie sera sauvée en s'accrochant au dos de son père. Et après la mort de la mère, je pense que vous le savez, Sophie se retrouve complètement entre les mains de Madame Fichini. Je n'insiste pas, je pense que le personnage est assez connu. Donc j'ai choisi de vous lire des extraits de la deuxième partie. Et d'ailleurs, le premier poème que je vous lirai s'intitule justement « L'orpheline ». Alors dans mon livre, il n'y a pas que Sophie et Madame de Réan et Madame Fichini. Il y a aussi bien sûr le cousin de Sophie, Paul, et ses amis, Madeleine, Camille et Marguerite. L'orpheline. Sophie court dehors avec tous les enfants. Surtout avec la neige, elle court avec tous les flocons de la neige. Moi, je suis sur terre, mais du ciel tombe ce qui s'oublie et qui revient au visage renversé. Étourdie, Sophie s'accroche à un rameau. Les curieux baisers continuent et mouillent la figure et rendent presque heureuse. Embrassée par sa mère qui passait par là, Marguerite a un cri plus joyeux. Sophie casse ce qui lui donna la main. Elle préfère aller plus loin, vers le vieux pin qui s'est couché et même accoudé sur une branche qu'elle enjambe. Il est ridicule, mais elle l'aime bien. Elle aime. Marguerite pousse un cri d'horreur. « Sophie, tu as écrasé les fleurs de Madeleine. » Sophie aime grimper par l'ouverture des branches. Ce serait bien de cueillir des pommes de pin que l'automne a faites lourdes et grosses, lourdes surtout. Marguerite en reçoit une sur la tête. Elle recule, puis revient, accroupie, vers les bords. Comment la redresser maintenant? Comment enlever la terre qui a sali ses pétales? Une pomme de pin jetée encore plus fort lui répond. Ce qui a changé peut encore changer. Le château de Réan. Madame Fichini passe devant Sophie. L'attrape par les cheveux et la pousse devant elle. « Plus vite, mademoiselle, vous ne reconnaissez donc rien ?» Le plancher craque. Il faut empêcher le cœur de se fendre, de noircir, le dos à la cheminée, attendre que l'autre, grande et rude, ait fini de mâcher des mots, faire bruiter une lettre de Paul. Votre cousin vous a écrit. Rieuse, elle agite la feuille en l'air, donc attendre. « Ma Sophie, hier nous sommes allés. » Madame Fichini s'arrête de lire, souriante, regardant Sophie ne rien dire, même quand la lettre n'est plus qu'une boule de papier. « Tenez, mettez-la au feu. » Sur la paume de Sophie, la boule s'ouvre presque, bouge. Paul, resté en Amérique, se promène. Il voulait un perroquet. C'est arrivé? Soudain, Madame Fichini tourne l'enfant vers le feu. Mais déjà, Sophie a lancé la lettre, la voix sursautée sur la flamme. « Montrez-moi, Sophie. »« Quoi ?
des larmes, quelque chose, que vous êtes malheureuse. Je ne suis pas malheureuse, je suis heureuse. Vraiment? Oui, je suis heureuse que Paul m'a écrit. Un coin tranquille. Sophie ne bouge pas sous la couverture. Elle touche seulement son épaule, recourbe ses doigts. Le perroquet bleu s'appuie, tantôt sur une épaule, tantôt sur une autre. Paul tient bien droit sa tête pour qu'il ne s'envole pas. Immobile, Sophie glisse, silencieusement entre les buissons, où se cachent les Indiens, regardant le garçon courageux de tous leurs yeux. Elle entend le faible bruit que font les pieds des Indiens sur les feuilles. Le perroquet soulève un peu ses ailes. Paul tourne la tête à droite et à gauche, comme ça, revoir son beau sourire. Nu à part quelques plumes, les dos sombres se déplacent. Ce n'est pas dans un livre. Trois visages coloriés continuent l'histoire. Balancé sous son chapeau trop grand de cow-boy, Paul va bien, il fait jour encore. Plus haut et par terre aussi, des feuilles se défroissent sous les sabots tranquilles du cheval qui le porte. Sophie a vu la flèche mais ne peut pas le lui dire. Le cheval continue d'un pas tranquille. Avec lui s'en va le garçon bien vivant et la lettre qu'il a dans sa sacoche. C'est là. Marguerite tourne la tête et voit qu'une vache la regarde. Toutes les deux, elles ne peuvent rien faire. L'une soupire, l'autre reprend un peu d'herbe. « Bonjour, c'est Sophie. Pourquoi t'as l'air triste ? J'avais trouvé des bébés hérissons, mais ils sont en train de mourir. Ils ont été noyés. Viens, on va les voir. C'est facile de courir dans le pré, puis de marcher. Lentement, entre les roseaux, c'est bientôt l'eau brune, encore ensoleillée. Les libellules sont nombreuses. Elles se posent sur des branches qui pendent. Beaucoup volent en zigzag. Sur la surface tiède, les araignées d'eau glissent. Et c'est tout. Tu les vois, Sophie ? Ils sont morts ? Pour répondre, elle descend encore plus vers le bord, se tenant aux tiges à chaque pas, et s'arrête. « Oui, je pense qu'ils sont morts. C'est dommage, on ne peut pas les enterrer. » Elles attendent. « en voilà un, je le vois. Il n'est pas mort, il se débat. » Faire naufrage, sortir sa tête, se noyer, disparaître, sortir sa tête, se débattre, être si seul. C'est comme s'il avait encore le museau dans la vie et la mort dans l'eau, et seul, petit, et seul. Sophie peu à peu devient une pierre brûlante. Soudain, elle remonte et cherche partout. Un grand bâton, il faut lui enfoncer la tête pour qu'il meure plus vite. Plusieurs fois, elle le fait. Elle le fait plutôt que pleurer. Maladroite, infatigable, elle tape tantôt sur l'eau, tantôt sur lui. Tournant autour de l'étang. L'eau envahit le bas de sa robe, bientôt. Elle ne verra plus rien dans la nuit. Cela a déjà eu lieu. Cela ne recommencera pas. Tu veux neiger ? Les flocons sont de toutes petites personnes. Ils cherchent partout et chacun pour soi. Une lettre, déchirée par milliers que l'on voit dans la nuit, traînant sa cape dans l'escalier qui plonge avec ses marches jusqu'à l'allée de gravier assez ouverte pour hésiter. Pour, entre les ifs, une robe blanche. Courir ne la rapprochera pas. Sophie la regarde. Un moment disparaître. Il ne faut pas avancer. D'un pied, maman disparue. Courir ne l'a pas rapprochée. Le vide entre les ifs, c'est comme l'air froid. Pour la première fois, une caresse sans visage peut venir de partout. Sophie respire et respire. Le couloir du dernier étage. Les draps qui sèchent, ils n'ont rien d'autre à faire. Sophie se laisse glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir. Elle a du temps, maintenant que Madame Fichini l'a tournée et retournée, fouet, claque, puis l'a laissée aller où elle veut. Assise, elle regarde devant elle. Sur le mur, il y a de la peinture qui se décroche, comme une peau arrachée, et c'est blanc.
Elle creuse quelques trous dans le plâtre fragile, maintenant agenouillée. Il y a longtemps qu'il n'y a personne. Sophie va s'asseoir devant une lumière posée par le soleil du soir. Un instant, une porte de lumière se pose. Paul, absent, vient s'y asseoir. Appuyant sa tête, il la tourne vers elle. Comme il n'est pas là, Sophie le regarde en bougeant les lèvres, sans faire sortir les mots. Elle lui parle en pensée le temps qu'ils les reçoivent. Attaché à la pierre, le fil de l'araignée tremble et demeure. Sophie ne la voit pas non plus. Vivre n'est rien. Un an a passé. Pour réfléchir, Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg se promènent. Leurs trois filles jouent. Elles ont cassé des grosses branches pour en tirer des plus petites. Camille tombe, les autres se jettent dans l'herbe pour rire aussi. « Puisque Madame Fichini part en Italie, prenons Sophie avec nous. » Le dernier jour avant le premier. Ce n'est pas comme un livre qui se laisse ouvrir. Sophie tourne autour de la statue, une femme, nue en train de recouvrir un immense vase, couché lui aussi. Plus bas, la fontaine se répand entre deux bouquets de fougères, surtout le bruit de l'eau qui rencontre l'eau, comme noyée qui respire et ressorte. Sophie regarde la source reprendre gorge. Le ciel, si on tourne autour de lui, il change le beau visage de la femme immobile. Mais non, ses genoux blottis l'un contre l'autre. S'appuyant des deux mains sur la pierre, sur la mousse collée à elle, comme on fait sa demeure. Comme on fait quoi ? Mufle, posé sur ses pattes, éternellement croisé, il dort, les yeux clos et les narines ouvertes dans l'ombre. Sophie caresse lentement le lion gris et usé. « Tu sais, je vais partir loin de toi. » Sophie étire ses bras. « Je sais ce que j'ai vécu et que je vivrai encore. » Bonsoir. Alors, je vais lire deux extraits de deux livres. C'était un petit peu impromptu. J'ai fait un montage il y a 10 minutes de ma lecture, en essayant de trouver des raccords entre donc ce livre Monomère et Maxi Place, qui évoque la famille, la représentation justement de la petite fille dans la fiction, de la mère aussi, de la femme. Puis ça finit par la femme, les représentations des femmes, les injonctions sur les femmes aujourd'hui. Donc ça, c'est extrait d'un livre qui s'appelle « À la piscine avec Norbert », qui est plus un récit que de la poésie. Mais j'ai trouvé un rapport entre les deux. Donc, je commence. La réussite s'obtient avec un jeu structuré lorsque les invités sont partis. C'est le soir, la table est débarrassée, une belle lumière entre dans le salon. 32 cartes pour 32 façons de réussir sa vie. Roi, homme, brun, méditerranéen, dame, femme, brune, la mère, la sœur, atout. Concours, diplôme, emplacement pour l'avenir. 7 surprises, 7. Une personne pense à vous. 8 de cœur. Vos enfants vous apporteront une grande joie. Dans la famille bourgeoisie, la famille est un dogme, une convention qui a des règles et qui, en l'absence de ces règles, panique.
La bourgeoisie se reproduit dans un système endogame qui ne dépasse pas les frontières. On évoque la communion de petits cousins ou alors comment se débarrasser de tout ce qui n'est pas bourgeois. On retape un loft dans le Marais, on habite le 6e arrondissement, on est propriétaire après avoir été locataire. La bourgeoisie prend des nouvelles de ma sœur quand le prolétariat s'inquiète des notes, des mauvaises notes du petit dernier. Je préserve mes atouts. Je reprends. Le roi est à l'origine de toute chose. La reine devra trouver sa place en occupant la case occupée par une autre. Je repose ma reine, sachant que échec et mat vient de chamat, qui signifie en persan le roi est vaincu. En arabe, échec mat, le roi est mort. Impossible, car le roi ne peut être tué. Se faire belle, faire la belle, être belle, où est la différence? Suis-je dans une position qui m'ouvrira le succès? Je quitte ma famille pour Marseille, je reviens à Paris, je fais un tarot en passant, l'avenir est radieux. Je m'émancipe à Antibes, dans les tournois, les troubadours aimaient la belle de loin. Oui, la beauté physique, la minceur, c'est important. Après l'évolution de Sapiens et d'Erectus, la silhouette gracieuse des jeunes filles a mis du temps à exister. Le dessin des hanches, les épaules arrondies, la colonne, les vertèbres empilées, la fierté de la jeunesse, toutes ces choses ont été progressives. Et l'équation belle et jeune est toujours préférable à vieux et déprimé. C'est vrai. Moi, quand je suis fatiguée, je déprime. Et mon potentiel de séduction baisse dangereusement. Ça se voit tout de suite. Malgré les avancées féministes, toute femme aime soigner son apparence. Lorsque le coiffeur m'a raté, il m'a fait un carré, je lui avais demandé un dégradé. Ça m'a procuré un choc, un sérieux problème avec mon image. C'est trop court. Impossible de réparer le massacre. Exiger une tonte radicale ? Merci bien. Une coiffure de rattrapage ne suffira jamais à me réparer psychologiquement. On a trop habitué la femme à être une fabrique. Aussi, dès que l'artifice est mal fichu, tout fout le camp. C'est pourquoi ? Parce que généralement, la femme fait beaucoup plus d'efforts que l'homme pour s'entretenir. Si son mari devient chauve, il rentre le ventre et s'est plié. Alors qu'elle, elle en fait toujours des tonnes avec son maquillage, ses teintures à répétition, ses ongles. Ouais. Jusqu'au jour où le lifting apparaît d'un seul coup dans les pages d'un magazine. Le visage des actrices est tendu à se rompre. C'est hyper réaliste, on ne voit que ça, une peau tendue, crac. Ce n'est pas une question d'éducation, la bourgeoisie, non. Ça procure une apparence de vulgarité, de pauvreté de visage. La figure réparée est moins riche que la figure intacte. On a l'impression que la personne réparée est une bête sortie des bois. Il y a quelque chose de monstrueux, une vision au ralenti de bête traquée qui correspond au visage de la réussite bloquée. On veut prolonger le succès à tout prix. Toute femme a-t-elle conscience qu'elle sera moins admirée en étant liftée ? On devrait mettre en boîte un botox spécial pour la pensée, injecter le sens de la nuance, adapter l'intelligence de la femme aux situations. Oui, mais le botox chez l'homme est pire. Pire. On ne voit que ça. Un homme en caoutchouc regarde la bébé crème de Berlusconi. On dit parfois que féministe et belle, ça ne peut pas aller ensemble. Qui dit ça ? Bah, certains hommes pensent que si tu es activiste, c'est parce que tu es moche et mal baisée. Un critique littéraire dans un magazine d'art contemporain célèbre pense que féminisme équivaut à frustration.
La femme doit laisser les mains baladeuses remonter vers son entrejambe sans broncher, sinon c'est une féministe mal baisée. D'ailleurs, Catherine Deneuve a dit la même chose à propos des mains frotteuses. Elle pense qu'il faut laisser faire. Donc, l'équation militante féministe résonne encore, parfois, avec « pétasse va te faire foutre ». Merci. Je dors sur un matelas de plusieurs siècles d'épaisseur. Des trottoirs bancals. Brésier captif par-dessus les étoiles. Pour quelle lisière étonnée rassembler les heures du bon côté de ta demeure. Dans quel aplomb de falaise résister son vertige. Guetteur d'aube sans extincteur. Dans la boue, les pieds font flatch, flotch. On s'arrête un instant, puis on reprend sa traversée du contour des choses dans le paysage qui fait flatch, flotch sous les pieds et dans la tête un peu. On cherche la brume à rebours sur des poteaux électriques, on spécule. Mais notre cri d'oiseau fout le camp. On marche avec des mots qui ont de la terre plein les chaussures, de l'eau aussi. Nous sommes comme le nouveau-né, à chercher toute sa vie une parole aussi puissante que son cri. J'ai lu ça quelque part, je crois. Je n'ai plus envie d'écrire de poésie. Agriculteur d'usure, j'attends de repousser. Par quel signe, quelle casse fuir sans l'acheter. Par quelle sauvagerie. D'ici jusqu'à la lune, j'entends les battements de ton cœur. J'égrène des années lumière de réverbères lustrés dans ma poitrine. Je n'ai plus envie d'écrire de poésie. Mais elle continue de m'écrire de travers. Il pleut sous les pieds, ça fait flotch, flatch, comme dans la tête, ça ne s'arrête pas. Je décolle mon dos de la chapelle, posée là, une chapelle, t'y crois pas. Je reprends ma traversée du paysage, qui fait flatch, flotch sous les pieds, chargé de pétales éclatants. Nos pensées sur des tourne-disques sans fin se déroule. Machine à écrire. Ce qui est important, c'est ce que tu fais maintenant, disait mon grand-père qui rêvait de publier un livre, qui faisait résonner les touches mécanographiques de la machine dans toutes les pièces de l'appartement. Pour moi, la guerre d'Espagne était une machine à écrire. Chaque salve de mots frappé sur la feuille était une salve de mitraillette contre toutes les dictatures. Enfant, je savais qu'il tapait sa guerre d'Espagne et ses poèmes mêlés. Aujourd'hui, je sais que nul visage ne tient dans une lanterne. J'écris moi aussi des poèmes fêlés. Écrire une page blanche.
Un soir, le sang bourdonne plus fort à nos tempes que le vent pris dans le cuir chevelu de la nuit, dans le pli des arbres. Un soir, les chemins provisoires deviennent inéluctables. On s'assoit à nos tables, on ne sait plus ni l'espace ni le temps. On prend tous les chemins de traverse. Un soir, on laisse sa mue au vestiaire, on cherche à traverser les glèbes sans faire flatch-flotch avec ses gros souliers. Un soir, on rend copie blanche. On se perd à quelques pas de la maison. On se met à recoudre les nuages déchirés le long des cheminées. Un soir, la nostalgie nous dévore les dernières steppes de l'enfance. Un grand singe monte sur un building en cherchant l'amour et se voit criblé de balles. Escaladant les tours de Babil, les talus, les pages perdues, les chapitres arrachés, les retours à la ligne. On cherche à se retrouver tel qu'on aurait aimé. On saisit la queue d'un hélico, on danse à deux un dernier tango. Un soir, on attend que ça morde les petits poissons par la fenêtre, comme un pétard inattendu au milieu de l'hiver, comme un bateau de rouille bu par l'océan. Souvenir catapulte à tracer du doigt sur le visage, un autre visage comme dans du sable, cherchant l'autre versant des mots, le dénuement d'un nom qu'on prononce tout bas, pataquès de peau. On cherche à s'égarer, défixer les reliefs, se déplacer dans une phrase. On a la mélancolie légère. Le souffle de l'air nous fait dévier de notre conversation comme un rien. On explore des déluges au détour d'une ligne, on soupèse une touche comme si la vie était un piano bien accordé. On voit son nom sur une tranche, coupée net en plein élan. En fluctue, suivant les variations de saison, on révise ses courbes, on penche au niveau solitude, on écrit petit avec de longs silences. On incline la tête, on dérange ses étagères, on mélange les paragraphes, regroupe les mauvaises strophes. Déborde nos baignoires, on balaye l'eau, brasse une habitude, la terre tout entière et la fenêtre à gravir. Au moins une fois, sortir des lignes battues. On a beau reformuler l'énoncé, la proposition demeure sans signification, demeure sans modification.